qui aurait pu croire que toi, Theo Angelopoulos, le cinéaste des regards perdus, tu ne termines pas ton dernier film. L'histoire se passait dans le port du Pirée. Des réfugiés arrivaient, en masse, et s'installaient là, dans un bidonville. Nous avons traversé les frontières. Et nous sommes encore là. Combien de frontières on doit traverser pour arriver chez nous, à la maison, là où il y a la paix entre nous-mêmes et nous-mêmes, et nous-mêmes et le monde. Αν κάνω ένα βήμα, είμαι αλλού. Ή πεθαίνω. On rêvait d'un monde meilleur, me disais-tu souvent, mais on s'est brutalement réveillé dans un autre. Pourtant, Théo, la politique, la vraie politique, n'est pas morte. Je suis allée la chercher pour toi, et je l'ai trouvée, là où je ne l'attendais pas. Les frontières les plus importantes, là, c'est dans la tête. Les frontières entre l'un et l'autre. Pour recevoir les regards de l'autre, il faut abolir les frontières. Et les regards de l'autre, c'est important pour la continuation du monde.